On devait parler des vidéos hier. Voilà, on n'a pas eu l'occasion de parler. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été contentes des résultats des Grammy Awards, ok? Parce que Davido n'a remporté aucun trophée. Il n'a remporté aucun trophée. Voilà, il a eu 3 nominations. Il était parmi certains autres Nigériens. Voilà. J'aurais aimé voir des Ivoiriens là-bas, mais je ne sais pas quand ça va se réaliser. Donc, il y avait Ashake, il y avait Ayra Starr, il y avait Burna Boy, il y avait Ashake. Il y avait beaucoup, beaucoup de têtes quand même nigériennes. Je pense 5 ou 6, ou je ne sais pas. Donc, les gens n'ont pas été contents que Davido n'a pas remporté quelque chose. Parce que, mine de rien, Davido n'a pas encore remporté, même au fait, voilà, un Grammy. Ce qui est étonnant, moi, je ne savais pas ça. Hein. Je pensais qu'il avait remporté des Grammy parce que, voilà, Burna Boy a remporté, Wizkid a remporté. Donc, Davido, ses fans étaient vraiment tellement sûr qu'il allait remporter parmi ces 3 nominations, là, au moins un des trophées. Donc, quand ils ont vu qu'il n'a pas remporté quoi que ce soit, il y a des gens qui ne l'aiment pas, qui disent que, oh, il est parti pour, voilà, pour nettoyer les chaises, entrer ici, sortir ici. Mais vous avez vu aussi des vidéos où ses fans n'étaient pas contents, ils ont essayé de boycotter la page même de Grammy et autres, là. Ils ont essayé de boycotter en tout cas le show en disant que c'est parce que, voilà, les Africains me donnent de la valeur à ce show-là que ce show-là existe. Vous voyez, non? Donc, celle qui a gagné, c'est cette Sud-Africaine, Tyla, avec sa chanson Woah. Vous connaissez la chanson Woah, baisse de l'eau sur ses fesses, et puis bon, les gens dansent là. Voilà, c'est ça. C'est ça qui a été la chanson. C'était la chanson de, je crois, le Best Act Africain, un truc comme ça. Donc, il y a elle qui a gagné ça. C'était vraiment intéressant de voir une nouvelle personne, gagner ce prix. Mais David de méritait au moins un trophée parce que franchement. Il a travaillé, il travaille depuis, il n'a pas encore d'award, c'est pas encourageant. Mais j'ai aimé le speech de, comment il s'appelle, Drake. Drake a dit qu'en principe même, le fait même d'avoir des gens qui viennent à nos concerts, des gens qui viennent à nos cérémonies, voilà, il veut parler de, parce que David, c'est les gens qui font les O2 Arena, des places de 600 000, des 60 000, pardon, personnes, et puis il foule même les coins. Les coins même, voilà. Drake a dit au fait que si tu as déjà des gens même qui viennent à tes concerts, tu as déjà gagné. T'as pas franchement à vouloir te faire valider, par une institution ou par ce trophée-là qui n'a pas de valeur. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit qu'il faut pas que les gens même pensent même à ce trophée-là. Si tu as déjà un artiste même qui fait que des gens viennent à tes concerts et tout ça, j'ai beaucoup aimé ça parce que franchement, voilà, certaines institutions ou certaines voilà compagnies qui sont là veulent un peu pour moi dévaloriser les talents africains, des faux stars.